Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, d'accord, et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos. Ah oui, et tu dis ouais mais pourquoi j'ai pas envie de recevoir les prochaines vidéos? Oui, tu as envie de recevoir les petites vidéos. Ok, parce que comme beaucoup, tu seras content d'avoir la vidéo chaque jour qui va te donner de la patate et te va te booster pour pouvoir te permettre de commencer à passer à l'action, créer ton business en ligne par exemple s'il le faut. Donc en tout cas, je vais te dire exactement un certain comportement qui fait que même si tu te fais accompagner, si jamais tu as ce comportement là, eh ben tu réussiras pas. Premièrement, si jamais tu ne changes pas ton environnement, ok. Alors tu vas me dire ouais mais attends, ouais ok, j'ai entendu parler de l'environnement. Donc quand je dis parle de l'environnement, ça veut dire les gens qui sont autour de toi, tu vois. Si jamais tu es que avec des gilets jaunes par exemple, eh ben ça va être compliqué parce que dès que tu vas avoir un petit obstacle, parce que même quand tu te fais coacher et que tu fais accompagner, tu as des obstacles. Voilà, tu en as beaucoup moins, évidemment, c'est l'autoroute hein, par rapport à si jamais tu essaies de faire tout seul en regardant des vidéos gratuites. Tu vas juste te prendre des murs si jamais tu n'investis pas en toi. Mais même quand tu te fais accompagner, tu as quand même des challenges. Tu vois. Bah, si jamais tu es toujours entouré de personnes qui pensent, qui te disent ouais, mais laisse tomber, ça ne marchera pas ce que tu fais, ou prends un CDI, tu prends des risques, tu machins, tu n'entends que des phrases comme ça autour de toi, bah, forcément ça va t'influencer et tu vas abandonner. Tu vas abandonner alors que tu avais juste à insister et à persévérer. Donc si jamais tu ne changes pas ton environnement, franchement, c'est chaud, c'est cuit, mec. Je dis pas que c'est cuit, mais mec, c'est presque cuit, gars. Si tu ne changes pas ton environnement, ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud. Donc après, tu vas me dire, ouais, mais moi, je ne connais pas de gens qui sont dans le même délire que moi, qui sont dans la même vision. Il y a plein de groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook où les gens, et ça c'est gratuit pour entrer dans un groupe Facebook, où les gens ils sont dans le même délire que toi. Tu peux commencer à créer des amitiés. Va vers les gens. Après, si jamais tu es trop timide, tu as peur d'aller dans les groupes, tu as peur de commencer à parler avec les gens, tu peux t'entourer, et c'est ce que je pense la plupart des gens ont commencé à faire, ceux qui sont partis de zéro. T'entourer, ça veut dire de manière virtuelle, que ce soit à travers les livres, que ce soit à travers les vidéos, ok. Consomme les vidéos de personnes dont tu aimerais avoir le même état d'esprit. Moi, je consomme tous les jours des vidéos, je me forme tous les jours, je lis tous les jours pour avoir l'état d'esprit des personnes. Et je me fais coacher aussi, tu vois. Donc, c'est important de toujours rester virtuellement dans le même état d'esprit que les personnes, ok. Donc après, tu vas me dire, ouais, mais peut-être que ouais, je peux pas prendre de coach parce que c'est déjà un certain investissement, c'est sûr. Tu me dis, tu peux pas prendre de formation en ligne, je me dis, bon là, tu exagères. Il suffit juste que tu te fasses des heures supplémentaires, ou tu travailles au McDo à côté, tu te payes ta formation en ligne. Et c'est un investissement qui va te rapporter beaucoup d'argent, beaucoup plus que ton passif de 1000 euros que tu as dans les mains qui s'appelle le iPhone. Donc, super important ça. Change ton environnement, crée-toi un environnement virtuel avec les personnes qui ont le même état d'esprit. Et comme ça, à force de les entendre parler, ça va rentrer aussi dans ta tête. Tu vas dire, ah mais c'est logique de parler comme ça. Il faut vraiment toujours renouveler ça. Constamment. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne lâche pas l'affaire. Tu es obligé. Parce que la même façon que l'environnement, en fait, il t'influence tellement de manière puissante que si jamais, par exemple, là, je me retrouve que avec des gilets jaunes, eh bien, je vais repenser comme eux. Donc, tu vois l'importance de toujours lire, en plus de te former pour pouvoir passer à l'action et d'avoir des stratégies, l'importance de lire des biographies, de continuer à écouter du contenu, de s'entourer, d'avoir des amis. Ça, c'est le top, d'avoir des amis qui ont le même état d'esprit, qui ont la même vision que toi. Ok, donc, tu as juste à cliquer sur le lien pour avoir accédé à cette masterclass. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Successful.